Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina Knights et aujourd'hui on se retrouve au Domaine Zora pour faire quelques petites quêtes. Alors je vais commencer par traverser ce super pont. Bah oui, on l'avait pas traversé encore, bah non, on en est arrivé Niro, du ciel. Donc bon, voilà. Du coup on a manqué quelque chose de très important. Ah, le truc le plus très, important. Très important. Ah, le truc le plus important, tu m'as raconté, tu m'as spoilé à moi. Du coup, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais... Du coup, tu sais... Mais c'est sensationnel, c'est fantastique, c'est fabuleux, c'est magnifique. Ah oui, c'est peut-être encore un peu après. Mais d'ailleurs, en fait, je me suis amusée à faire le chemin à pied. Toutes les stèles sont sur le chemin. Bah, je crois que c'était déjà le cas, Oui, hein, bah ça n'a pas bougé par dans rapport à... Respirer le sauvage. Voilà, et voilà notre Et puis, cher ami mais ils se Boulier. font dans le décor quand même, T'as vu? hein. Oh là là! Ça aurait été rigolo qu'il y ait un Korogu en dessous. Alors, par contre, là, lui, il a l'air compliqué, celui-là. Ah ouais, tu penses que juste en dessous ça passe pas? Bah, disons que... C'est pas droit. T'as vu? Ouais, peut-être que ça passe quand même. Allez, moi je veux de l'optimisme, tu vois. Je me dis peut-être que. Mais comme il est en pente quand même, il va peut-être tomber vers le bas et comme. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, voilà, la physique va faire son effet, et voilà, tu vois, pas de problème. Bon, après c'est pas dit qu'il accepte quand même, parce que des fois, en mode, non, ça a bougé, donc moi, je sais pas, en fait, il est tombé. Non, mais ça, je comprends toujours. Non mais c'est parce qu'il est pas sûr, tu vois. Je comprends toujours pas. Ouais. Bon, voilà, tu as gagné l'objet ultime, franchement, 20 rubis. Bah Ça en valait la peine, c'est sachant que, oui, important. bah oui, on a utilisé de l'argent, là, en plus, en off. On a amélioré la tenue d'escalade. Ah oui. Allez, j'y vais. Donc, automatiquement, on a perdu de l'argent. Heureusement, Bouli est là. Attends, on va faire des petits essayages. Donc du coup, nous avons la super Ouais, tenue mais elle est isolante pas améliorée. qui n'est pas améliorée. La À elle, super par contre, tenue elle l'est. d'escalade qui Regardez, endurance, saut, escalade, du coup, on peut flèche. sauter maintenant. Ouais, on peut Youpi. sauter un peu. Wouh! Et puis bon, bah, on a commencé à améliorer la tenue de Zora, mais bon, bah, comme on n'a pas encore fini la tenue de Zora, bon, bah, Gna gna gna. Il y a un truc que je me demande. Bon, je vais faire des allers-retours. tu demandes ce qu'il y a pour dîner, Mais non, mais bah. c'est parce que vu qu'on doit aller là, mais que si ça se trouve, on doit retourner là après. Est-ce que je vais. Bah, de toute façon, je peux pas y aller. Il n'y a pas de sanctuaire. Ah, je pense pas qu'il y ait besoin d'y retourner, si ce n'est pour avoir un petit dialogue sympathique de Yona Bah qui oui, mais dit, ah c'est bon? important les Tu as dialogues reçu ça? sympathiques de Yona quand C'est même. bien, c'est gentil. Je me Merci. demande qui ira au fort de guet parce que. Bah, ils sont déjà là. Oui, mais Ah qui oui. ira au fort de guet parce que. Bah, Doréfa, bien sûr. Bah Bien oui, sûr. C'est j'aurais lui qui a pas. gardé. Non, mais en plus, avec. Il utilise des écailles royales, là. Il tire sur les beaux gobelins. Mais non, mais parce que je me dis que ça serait Yona, mais d'un côté, ce serait bizarre qu'elle s'en aille. J'avoue, parce que c'était Betra qui s'est. Mais après, y a personne qui est parti chez les Piaf, Si, si? il y a un piaf! Ouais, mais c'est un Piaf random, non? Oh, le Bon, alors pauvre! c'est pas très gentil, oui, mais je veux dire, c'est un Mais Piaf peut-être, qui. Bah, ils ont peut-être! tous un prénom, mais. Ah oh, bon, c'est compliqué, mais voilà. Je revois Son Altesse Mipha debout au clair de lune, un sourire aux lèvres, tenant en main la lance d'écailles radieuses. Moi, je me dis que ça peut être lui! Ouais, Hein. Bon, après, pour aider au fort de bien guet, c'est peut-être sûr. un soldat. C'est peut-être là, Zora. Moi, je le dis. Peut-être que c'est Alors, elle. c'était une photo comme ça? Ah, donc c'est elle qui l'a préférée. Mais c'est la silhouette de Son Altesse Mipha telle qu'elle est gravée dans ma mémoire. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, quelle joie de pouvoir revivre un peu de cette scène autrement que dans mes souvenirs. Laisse-moi te donner cette épée de Zora en guise de remerciement. Ah, tu as trop de bagages. Fais de la place. Reviens me voir. Mets Oh en là or là tes là là là. poches. Ouais, tu peux Bon jeter ça. Attendez pas à ce que tu montres une image. Link, c'est une belle surprise. En guise de remerciement, laisse-moi te donner cette épée Zora. Elle est un peu corrodée, mais elle m'a rendu de fiers services. Je suis sûr que tu sauras en faire bon usage. Ah oui, bah. d'accord. Ah oui, même pas amélioré ou quoi. Hein. Ouais, c'est bon, c'est l'épée de ma jeunesse. Link qui va la casser en deux temps, trois mouvements, t'inquiète. Hein, mais... Tout ça me rajeunit pas, mais je me sens frais comme un gardeau. Ok. Ah bah Oui, voilà, il s'en va là, il va au fort de guerre, regarde. là, il est prêt. Ah, il est Là, là. il a dit qu'il se sentait revigoré comme dans Comme sa jeunesse, dans sa donc jeunesse. Donc, il est c'est parti, parti. let's go. Le fort de guet, je vais vous défendre, petit Ilien. Vous êtes pas très très fort, alors heureusement, moi je suis là.
En vrai, c'est vrai que quand même, là j'y pense, mais entre les Gourons, les Zoras, les Piaf et les Gerudo, ils sont tous hyper musclés et les Iens ne le sont pas, tu Ah, quoique. Chacun s'occupe Ah comme il peut. non, mais non, il y en a un quand même, hein, parce que Tauros, il est pas mal musclé quand même en vérité. Du coup, je disais, bon, il est temps de retourner dans le temple sous l'eau. Ça va être bien. Non mais non mais là j'avoue que je sais pas où est-ce qu'on l'a manqué le coffre hein, genre. Bah, c'est peut-être pas un coffre, parce que Mais non mais vraiment. c'est pas un coffre, c'est ça Parce que le détecteur de coffre n'avait plus l'air de détecter. Mais après, j'avais vu un endroit qui était enfermé derrière des barreaux. Mais j'ai pas trouvé comment les ouvrir. Donc ça doit être là. Ouais, j'imagine, hein. Bon c'est parti pour C'est parti pour le dungeon numéro 2. Deuxième étape. Ouais, c'est un peu dommage quand même hein, qu'on ait manqué ça. Mais Mais c'est pour y retourner, c'est bon, sympa. après, c'était Après, ça. si ça se trouve, ça a changé. Bah, je vois pas pourquoi ça aurait changé. Y a pas de raison que ça ait changé. Mais écoute, on verra. Parce que c'est une caverne sous l'eau. T'as rien fait sous l'eau. Enfin, tu n'as pas changé la topographie des lieux. Oh, j'ai raté de rentrer. Donc, a priori. Bah chi, j'ai mis plein d'eau. Oui, mais tu l'as changé quand t'étais là-bas, pas avant, pas après, pardon. Écoute, on va voir. Bon, de toute façon, voilà. J'aurais peut-être me mettre quand même sur trésor au cas où. En vérité, oui, j'ai dit ça pour rigoler, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas un trésor en réalité. Hein, parce que... Ah non, il n'y a rien. Hein. Après, peut-être qu'on détecte pas d'ici. Plus faire des attaques tornades avec Y maintenant, c'est vrai. Je me demande si j'allais casser la planche. Visiblement, oui. Donc du coup voilà, je veux revoir cet endroit avec. C'était sur un mur en plus. Ah mais ça a changé. L'eau est revenue. La flotte. Oh, mais c'est le camarade Link! Ne dis pas que toi aussi t'as fait tout ce chemin en quête d'un nouveau spot pour plonger! Ça me fait mal de te le dire, mais j'ai peur qu'il y ait un souci, en même un gros. Ici, mon pote, il n'y a pas de flotte! Ah, je me voyais déjà franchir la nouvelle frontière de grâce. Avec grâce à un plongeon ennuyeux des ruines grandioses. Mais quand je suis arrivé, l'eau s'est retirée avant que j'aie eu le temps de dire plouf. Il n'y a plus rien pour cacher le fond. Alors, c'est bien joli tout ça, mais pour faire un beau plongeon, un beau plongeur suffit pas, il faut aussi de quoi plonger. Ah, du Ça se coup, il n'y trouve, a c'est plus. lui. Ça se trouve, c'est lui qui a pris les Ah, palmes. il a tout bu. Il a tout Oh bu! là là. Non, il nie. Il dit que Il nie, bah il n'y oui, avait non mais plus comme le rien. capitaine Falcon, ça bien sûr. Hein. On connaît, on connaît. Faudrait refaire des trucs. Oula. Bah non, parce qu'on pouvait rien faire quoi. Enfin on avait pas d'eau. Enfin on avait quand même de l'eau nous à la base. Donc peut-être qu'il y a effectivement une espèce de petit tunnel avec les palmes hein, maintenant. En plus, c'est une caverne avec une musique et tout. C'est sympa quand même. Non, mais vraiment, cette caverne est très cool. Ah, mais ça descend! Ouais, c'était pas là avant. Ah, bah oui, non, mais ok. Bon, elles sont peut-être là du coup. Ah, fourberie! Coffre à proximité. Oh, la fourberie! Oh, qui sont taquins! Oh, qui sont méchants! Ah, c'était un Oh, Nidorok! Littoroc. Alors, est-ce qu'il est derrière? Pense que oui. Ah ouais. Ouais, mais c'est comme. Bah, c'est comme. Non, c'était le coffre de Varuta, ça, qui était comme ça. Bon, bah voilà, les jambières Zora, on dit que ces jambières flottent. Et voilà, la quête est finie. Bon, bah, j'imagine qu'il n'y a pas moyen de Ouais, mettre de c'est l'eau. bon, hein. Voilà, là, ça veut se battre. J'ai envie de passer par là pour aller au machin. Très bien. Bah ok, non non c'est rigolo, c'est rigolo. Bon allez vas-y, c'est sympa, c'est sympa. Ça se trouve, il y a plus de trucs, mais On a juste pour eu. faire joli, je veux Ouais dire. ouais je pense qu'il y a des trucs pour faire Bah, joli. remarque, techniquement, s'il faut battre tous les boss, faudra revenir battre ce Littoroc. Donc voilà. Bon bah on y reviendra si besoin est. Bon alors, je voulais faire ça. Ouais ça va. Non ça va pas marcher. Ah, Bah après dommage. si tu montes sur le Oui, truc. je voulais le faire. Peut-être bien. Allez, allez, allez. Ah ouais. Parfait!
Non, mais bon, ok, d'accord, très bien. Petit changement d'environnement pour débloquer une caverne dans la caverne. Parce qu'on a entendu dire que vous aimez bien les cavernes, donc voilà. Faut que je me remette sur ça au cas où. Voilà. Normalement, il n'y a rien, mais bon. On ne sait jamais. J'ai très envie d'aller à gauche, mais à mon avis, c'est juste des korogus et rien de spécial. Ouais, je pense donc, que ce sera pour je une pense prochaine que fois. Là, on est bien. Ouais, c'est-à-dire que... Niveau sanctuaire, je pense qu'il nous en manque un en haut, là. Enfin... On a visité beaucoup de choses, donc, finalement. Par les îles de Tingle, là. Mais après, je pense qu'on est... Enfin, je pense vraiment qu'on est bien. Oh là là, je devrais mettre mes jambières, là, parce que les pieds orange, c'est rigolo, mais... On a une super tenue maintenant. Ah, j'avoue qu'en plus, là, on va bientôt finir aussi la tenue batracien. Oui. Ah ouais, on avance bien, on avance bien. Bon, en même temps, on approche de la fin du jeu aussi, donc bon, automatiquement... À un moment donné, les choses se terminent. Mais... C'est pas évident à parcourir ici. Quoique, bon, oh, bon, je vais pas trop en dire maintenant, mais il nous manque encore des trucs qu'on n'a pas encore. Mm. Donc... Tout se décantera à Akala, en fait. Ah, c'est joli. Non, mais il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de choses à Akala. Mais oui, non, mais là, c'est sûr. Hein, ça va être encore... Ça va être le gars. Hein, ça va être le même. Bah, il va être encore... C'est toujours c'est lui. C'est toujours lui. Hein, genre, il n'y a pas... Hein, s'il pleut, je voulais escalader sur les côtés et tout. Oh, mince. Ouais, non, mais là... Dommage, Link, que tu grimpes, parce que là, tu pourrais quand même courir pour de vrai. T'es bien, Link. À chaque fois, il glisse au moment où je veux sauter. Alors, je vais sauter plus tôt. Voilà, faut passer avec une petite bombe. Hein. Ah, j'allais prendre une fusée, moi. Bon, une fusée, une bombe, prends ce que tu veux, tu vois. J'avoue que je sais pas si on est encore bien au niveau bombe, effectivement. Oula, non, ça va. Tout va bien. Bon, j'imagine qu'il va falloir battre tout le monde quand même. Ouais, je pense. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah oui, c'est une horde, d'accord. Ah oui, attention, j'ai un sabre miasmatique. Bah, c'est bien. Oui, mais du coup, tu perds de la vie. Bah, c'est pas grave. Ah non, il y a des trucs qui font des éclairs. Attends, elle va déjà se casser, en fait. Mmh. Elle aura pas fait long feu, dis donc. Juste, mmh. J'ai juste battu un dinel avec, hein, c'est tout. Oh oh. Ouh. J'ai cru qu'il allait me jeter son... Ah mince, ah, oui, il y a un bouclier. Bon, mince, non. Bon, d'accord, très bien. C'est pas ça que je veux, moi. Oh, ah, du coup, tu le mets quand même. Mais qu'est-ce que ça a fait? Bah là, t'as appuyé sur pause pour mettre le menu. Mais non, mais ça a amalgamé un truc, on dirait. Ah, mais oui, mais t'inquiète, vu que tu l'as pas tiré, c'est bon. Je voulais un machin... Ah, voilà, je voulais ça. Bon... Comme on est là pour la bagarre. Économisons des armes. Okay. Ah bah c'était fort utile. Bon, ah les trucs, Sonao ça marche aussi. Ça marche? Ouais ça marche. Allez arrête avec ton bouclier. Ah non ça marche pas en fait. Je croyais que ça marchait. Bon bah non ça marche pas. Bon bah j'ai rien dit. Mais c'est persuadé que ça marchait. Oh j'allais faire un amalgame. J'ai plus d'épée. Bah si. Tu viens d'en mettre une, tu viens de mettre la Zora. Oh là là, oh là là. Allez, ouais, allez. Je vois bien ce que tu veux mettre. Bah elle est où? Ah oui mais elle existe plus, ok. Ah, elle est là. Allez. Non. Oh là là. Mais insupportable. Ah mais non, il est déjà amalgamé. Ah c'est fait. Une arme, d'accord. Ah ouais, c'était... Bon. Ça veut pas à cause des boucliers. Et non, il... Ouais, si, il pleut toujours, hein. Ah, tiens, t'es bon, hein, sinon... Oui. Qu'est-ce qu'il a, lui, des champignons? Oh là là là. Mais il est insupportable, le gars, derrière, hein, vraiment. Je voulais faire ça dans l'ordre, hein. Merci. Ah voilà, Nihou.
J'avoue, là, t'as un canon, Minoru, c'est le moment de t'en servir. Ouais, il y a plein de viande, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était de la viande qu'il avait. Mais non, mais vous l'avez toujours pas cassé, lui. Il l'avait presque eu, en plus, hein. Ah, ah non, son canon est cassé. Ouais, elle en a un sur le bras gauche. Il est où? C'est bon? Non, non bon. C'est pas bon. Allez. Voilà, ah, c'est toujours pas ah non, bon. Ah non, c'est toujours pas bon. Ok. Bon, là, c'est bon. Je pense. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non. Est-ce que ça passe à travers? Oui. Waouh. Bah t'inquiète, hein, t'inquiète, de toute façon, oui, ça passe à travers parce que les ennemis eux-mêmes, ils se passent à travers. D'ailleurs, oui, finalement, c'est une fonctionnalité qu'ils ont gardée que dans The Wind Waker, je sais pas pourquoi. Là, le fait que les ennemis puissent se frapper entre eux. Mmh. Bon. Pourtant, c'était bien comme fonctionnalité, c'était marrant. Je sais pas si... Il ouais, reste on un. Va battre quand même tout le monde. Bah, je pense qu'il faut. Mais d'abord, on leur vole leur équipement. Une lame Linel. Ok. Pourquoi vous avez une lame Linel? Genre, vous avez chassé un Linel, vous êtes content hein? Bon, qui reste là encore? Un petit, hein, mais... Il est tout petit. D'ailleurs, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont mis en prison, là? C'est leur réserve de nourriture. Des truffes max grillées. Oh là là, les gars, ils ont mis des truffes max grillées en prison. Ouais, il y a un autre... Oh, Et en plus oh, ils savent pas que la truffe max, ça se mange pas comme ça. Oh là là, pas très malin, les Bokoblins. Ah, du sel. Oui, bon, quand même, ça, c'est quand même hyper important de le cacher. Bon, il est où, il, le... Il est où, le gros malin, là? Au début. Ah, c'est lui. Et ben voilà. Ah, c'est vraiment ah, la quête. Ah, oui, d'accord. Bah oui, il fallait les tuer pour la quête, en fait. Mais, ah, mais oui, parce que c'est lui, les fourbes. Lui, tu pouvais le sauver quand tu veux, finalement. Mais lui, en fait, il va juste te dire « Oh, la pleine la lune de sang était apparue hier. C'était pas mal, quand même. » Merci de m'avoir tiré de ce mauvais pas. Tu dois en avoir marre. Je suis désolé. La curiosité est un vilain défaut. Je le sais bien, mais c'est plus fort que moi. J'ai besoin de comprendre pourquoi les monstres relèvent chaque lune de sang. Je veux savoir. C'est de la faute de Zelda. Le moindre indice compte. Je ne peux pas négliger aucune piste. J'infiltrerai leur rang s'il le faut. Je devrais peut-être voir ma stratégie quand même. C'est pas la première fois que tu me fais avoir. Tu devrais mettre un masque. Voilà pour toi. Si, si, j'insiste. Un champi salé. Ah oui, bah je vois. Ça ne se suffit pas. Alors, en voici un autre. Encore des champis. Mais il nous manquait une recette au début, ça se trouve, c'est juste ça. Remède max. Ce soir, c'est le dernier croissant. Demain, nouvelle lune. Je t'inviterai volontiers à regarder le plus près, ma belle. Eh bien, je vais mettre les voiles, tant pis. Pour les monstres, ils ne vont se passer de moi. Ok. Bon, bah ça va, on avance bien. C'est le carnet de recettes. Oh. X, ouais. C'est vrai qu'on essaie de la remplir là pour l'instant. Ça se remplit pas mal. Je vais voir s'il y avait le truc. Ah oui, il nous manque le 8 là. Ok, du coup c'était pas la nourriture salée. Bon, bah du coup on retourne finalement au domaine Zora. Mais je sais même plus où ils étaient. C'était juste à l'est. De quoi? Bah les gars là. Qui parlaient justement de ça. De cette quête. Ah! Bah, il était en train de traverser le pont. D'accord. Il me semble. Je marchais tranquillement quand soudain quelqu'un pestait en se disant « Ah, oh, c'est fourbe !» Il est joli le domaine la nuit. Ah, Link. Eh, mais ce que tu portes là, ce sont les jambières Zora. Je les ai trouvées. Quoi? Un grand trou s'est ouvert au fond du temple et il s'est vidé de son eau? Et c'est donc là qu'étaient cachées les jambières Zora, au fond de ce trou. Tu les as récupérées tout seul. Je n'en attendais pas moins de toi, Link. J'espère qu'elles te seront utiles dans ton voyage. Les jambières Zora sont le symbole de l'amitié entre le peuple Zora et le peuple Élien. Il est donc normal qu'elles te reviennent à toi, notre inestimable ami. En parlant d'ami inestimable, chaque fois que Sidon ouvre la bouche, il ne parle que de toi. Link est le meilleur! Avec Link, je pourrais accomplir n'importe quoi! Et j'en passe. J'en ris, mais maintenant je comprends ce qu'il veut dire. Link! Permets-moi de te présenter à nouveau mes plus sincères remerciements. Tant qu'il existera, le domaine Zora sera toujours avec toi. Alors n'hésite pas à passer nous voir quand tu veux, d'accord?
Ah, allez, ah, tu vois, finalement, elle va peut-être au fort de guet. Hein. Elle s'est déplacée là. Elle s'est déplacée. Elle va au fort de guet. Peut-être, peut-être. Pont. Alors, il était sur ce pont. Mais. Comme. Ah non, ça va, il est toujours là. D'ailleurs, mais comme je ne le vois pas et qu'il bougeait. Il va aller au fort lui aussi. Mais non, c'est. Ah si. Maître Link, concernant ce fort que les monstres ont construit, j'ai réussi à rassembler suffisamment de soldats pour lancer une expédition punitive. Nous allons les réduire en bouillie, j'en ai les nageoires qui frémissent d'émotion. Je m'en suis occupé. Quoi ? Oh, vous voulez dire que vous avez vaincu tout seul ? Oh, très impressionnant, Maître Link. j'ai rassemblé les troupes et je me suis préparé toute la nuit, mais vous avez fait ça tout seul. Enfin, vous avez le temps, on a dormi 2 jours devant la statue. Oui, mais c'était long. Bon, n'y pensons plus, le domaine n'est plus en danger, c'est tout ce qui importe. Je vous en prie, acceptez ceci en guise de remerciement. Oh, bah c'est gentil. J'avais préparé cette somme d'argent en vue de l'attaque, mais s'il ne reste plus rien à faire, et pour vous, en récompense de votre bravoure, Maître Link. Vite que j'ai rapporté que la menace est écartée. Ah, il va pas au fort de guet, du coup. Bon, je vais passer par là. Pour aller de l'autre côté. Ouais, bah il nous reste plus qu'une zone globalement à parcourir ici. Avec plein de, de choses passionnantes. Il y a peut-être d'autres trucs, bien sûr, on ne sait pas. On verra. Tel un Zora escaladons les cascades. Peut-être. Ah voilà. C'est bien que l'endurance n'est pas utilisée pendant qu'on remonte les cascades. Oui, alors que totalement ça pourrait, mais... Oui. En vérité, je fais ça, j'aurais pu sûrement me téléporter... Oui, tu pouvais te téléporter au sanctuaire de Mipha. Elle te protégera après tout. Parce que là, je veux aller par là. Ouais. Ouais. Allez, je me mets un petit marqueur... Pour me t'as guider. Plus rien, Minéou. Oh. Bah alors, t'as... Oh, t'as cassé ton autre canon. On va t'en redonner. Ils sont où? Ils sont là. C'est ça. Merci pour les précisions. Ouais, non, mais de rien, tu peux j'ai compter sur... J'ai tout compris. Tu peux compter sur moi, je suis là. Hein. Attends, Minéou. Ah, je veux ça. On va attacher au bras. Parce que Minéou est un chat, après tout. Et voilà. Mais c'est pas un chat, c'est une chèvre. Non, chat. C'est un chat. Ça commence pareil chez le chat. Miné, ça veut dire quoi? Oui, hein? oui, bah ouais, non, mais totalement, finalement, oui, oui. C'est vrai, hein? Non, un minéru d'un chat, voilà, c'est bon. C'est dit. Comme Sablero, voilà. On n'oublie pas les bases. D'ailleurs, c'est pas une proposition, mais le marché marche toujours. Hein. C'est vous qui avez écrit cette fiche. Mentionnez-vous, s'il vous plaît. J'avoue que celui qui a parlé de Sablero est un chat, je lui donne sable doux, tout ça. Ouais, je... S'il vous plaît, manifestez-vous. Manifestez-vous. On a besoin de savoir. On a besoin de savoir. Comment ça, vous parlez d'une fiche de RP pas de non, RP. Non, c'est pas une fiche de RP. Non, une fiche de stratégie Pokémon que j'ai écrite quand j'avais 6 ans. Qu'est-ce que vous m'embêtez? Oui, mais... C'est peut-être une fiche que tu as écrite. Ah bah ok, bon bah très bien. Ah bon Marc, il est peut-être hors ligne. C'est bon limite ou pas? Non, il est bon là. Ah, là t'es sur Elusis, ouais bah c'est normal. Bah là c'est un Rumi en dessous de moi je crois. Ouais. Non mais non, voilà. C'est un champi. Non mais c'est vraiment la fiche de stratégie Pokémon qui m'aura le plus marqué à vie. Elle était tellement bien cette fiche. Je sais même plus si elle existe encore, en fait. Je sais que je l'ai gardée à jamais dans mon téléphone, quand même. Ça, c'est important. Mais je crois que le site les a purgés, je crois. Ah bah, elle est là, l'entrée. Oui, bah après, oui, c'est sûr que... possible. Bon, bah, Minéou, on y va? Ah bah non, ça c'est juste des Gemnox. Bah écoute, bah il y a peut-être des trucs derrière quand même. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que c'est des Gemnox que ça empêche de faire un chemin derrière. C'est sûr. Ah mais c'était la bonne ambiance quand même, tu vois, avant là, quand personne ne connaissait la stratégie Pokémon. On écrivait tous plein de bêtises.
Et c'était très drôle. Ah bah moi j'écrivais des bêtises, mais après, il y a quelqu'un qui a commenté ma fiche de manière très virulente, j'étais triste. Parce que ma stratégie bah après, était pas au point, tu vois. Bah après, tu tombes pas sur les bons modérateurs aussi, modérateur sympa, jamais, moi tu vois, j'aurais corrigé ta fiche, bah, je l'aurais jamais mal jugé. Mais la déjà personne pour était... commencer, j'aurais rien compris de toute façon, mais bon, c'est pas grave. La personne, je me souviendrai pour toujours de ces mots. Mais pourquoi est-ce que tout le monde met ultra laser partout? Mais ultra laser, c'est la base. Alors que moi, j'étais super fière de mon move set avec ultra laser. En vérité. Ah, il est là. En vérité, moi, je me dis que tu vois. Il est là-haut. Je me dis que tu vois, je pense qu'en vérité, on tenait un truc, je pense, quand même, à l'époque. Bon, déjà, à l'époque, bon, qu'est-ce que c'est le stab, finalement? J'avais aucune notion de ça. Mais ça, on s'en fiche, mais tu vois, c'est un très beau coup, ultra laser. T'imagines, vous êtes au dernier Pokémon chacun, tu fais ultra laser, tu le one-shot, et c'est bon, t'as gagné, tu vois. Mais oui, en plus, bon, là, à l'époque, c'était de la méta 3G quand j'avais fait cette fiche, mais... Ah, c'était de la 3G, ok. Ouais. Mais en 1G, quand tu bats... Ah, oh, ok, un Litoak. Je me disais que cette grotte était grande. Oh, lui, c'est un rare, je pense. Hein? Oh non. Non. Pourquoi, il est nul. Il est nul. Ah ben oui, mais non, en fait, il n'y a rien d'autre ici. Oui, en oui, fait. Du coup, je m'en vais. Mais, enfin, mais... remarque, mais le détecteur de sanctuarité, on sait jamais. Bon, je remonte quand même. Ouais, remonte. Mais en 1G, ultra laser, si tu bats l'ennemi, tu n'as pas le tour perdu et tu peux les enchaîner. Bah, en vrai, je trouve que c'est fort, mais d'un côté, tu vois, je me dis, ah, c'est pas... En fait, je pense que ça, c'est pas un bug, tu vois. C'est vraiment une vraie mécanique, je pense. Bon, ça ne détecte, ça me paraît... En fait, ça me paraît pas idiot, tu vois, comme concept sur le truc, sur le papier. Parce que... Quand même, je pense, tu vois, qu'à la base, je pense qu'à la base, Pokémon, c'était un... Bah, c'était pensé comme étant un jeu solo, tu vois. Oui. Donc, ça me paraît pas idiot comme mécanique de... Si t'arrives à tuer en face, bah, du coup, tu... Tu continues. Tu continues, voilà. En fait, c'est un bonus, tu vois. Oh, c'est boulier. Oh, il est grand, celui-là. Oui, bah vu qu'il y a des trucs là-bas derrière, je pense que c'était... Fallait faire sûrement quelque chose avec cette structure. Salut, boulier! Ah, merci! Alors, tu parles de stratégie Pokémon? Ouais, moi, à l'époque, j'ai découvert la stratégie Pokémon, mais bon, alors vraiment très très tôt. Hein. Effectivement, on en était encore aux prémices de la 3G, mais il y avait des simulateurs sur Internet, et les simulateurs sur Internet, ils permettaient de mettre 252 EV partout. Enfin, 255 même. Et je ne savais pas ce que ça faisait. Du coup, j'ai tout mis à 255. Et après, on me disait mon Pokémon est illégal. Mais moi, je comprends pas pourquoi. Comment ça, il est illégal? Il est nul, votre logiciel. Permettait de tout maxer. Bah, il permet de tout maxer. Moi, de base, je me dis, oh, bah, dis donc. Moi, je me dis, si tu peux tout maxer, pourquoi je voudrais pas tout maxer, en fait? Oui. Quel est l'intérêt, finalement? Alors que non, finalement, tu ne peux gagner que 64 points de stats dans... Dans une stat, dans deux stats maximum, pardon. Bon, non, dans la 1 et la 2G, c'était très bien, tu pouvais maxer tes Pokémon au max, en fait. Alors, en vérité, c'est pas si mal que ce soit limité, parce que sinon... Oh. Bah, je crois que c'est dans Pokémon Let's Go où c'est pas limité. Ouais, c'est pas limité. Bah, finalement, oui, y a et pas... heureusement que c'est pas... que c'est... Parce que sinon, bah, finalement, tu te retrouves avec des Pokémon qui... Comment ça s'appelle? Bah, des Pokémon qui sont plus nuls que d'autres. Il y a des Pokémon qui sont complètement inutiles. Tu vois. Ouais. Bah, en vérité, moi, je trouve que... Ah, ça se bouge. Bah, je trouve pas ça idiot, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, je pense que tu vois, parce que c'est pas idiot à la base, parce que c'est un jeu solo, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres cailloux? Je trouve que j'ai pas besoin d'en mettre autant. Parce qu'il y en a 3. Là, je me dis qu'il en faudrait 2. À moins que... Ah oui, mais non, mais en fait, faut peut-être mettre les 2... Après, je peux les mettre au milieu, oui. Ouais, c'est ça, je pense. Ici. Mais là, après... Ah oui, ok, c'était ça. Ah, moi, je voulais en mettre 4. Oui, bah oui, tu veux faire une symétrie, mais il n'y avait pas besoin, en fait. Ouais, non, mais tu vois, moi, je pense que les EV, et après, à partir de la 3G, ils se sont dit, vas-y, viens, on fait un jeu un peu plus... compétitif.
Et on peut pas se permettre de mettre tout le monde au max. Wow. Oh, j'avoue, c'est vrai qu'on a Sidon maintenant. Attends, il est en dessous, oui, mais ça veut pas dire que l'entrée est là. À l'entrée, elle a l'air d'être à peu près plus haut, ouais. Par le cristal. Mais il y en a des animaux là. Attends, mais il y a plusieurs Élusis. Non, ça ne change pas, c'est juste que en fait, t'arrêtes pas de passer au-dessus. Oui. Bon, par contre, la caverne, où est-ce qu'elle est? En même temps, c'était chaud hein, de les mettre, les trucs, là, donc... Après, je peux toujours appeler notre ami le Rumi. Ah, peut-être enfin, là, s'il y en a un. Ouais, c'est trop louche, ça, aussi. Pourquoi il y a plein de boulets partout? Faut faire rouler, là. On a été ici, dans Breath of the Wild, parce que ça me dit rien. Wow, bonjour. Eh, mais c'est la Madame aux peluches. C'est par où l'école? Ah bah certainement pas par ici, effectivement. Oh, mais alors du coup, ça veut dire que je vais lui faire peur et elle va les jeter dans le vide. Ah ouais. Ça va être bien. Bon, allez. C'était moi qui l'avais fait, je crois. Oui. J'ai appris auprès des Gerudo comment fabriquer des peluches de morse des sables. Il faut que j'arrive à les livrer aux enfants de l'école des limites. J'ai hâte de voir leur tête ravie quand je distribuerai les peluches. J'espère que mon renfrogné ne les intimidera pas. Ah mais je sais comment résoudre ça, je vais m'entraîner à distribuer, comme ça je serai prête au moment venu. Est-ce qu'elle veut nous reconnaître? On dit la même chose. Et si je disais ça? Salut les enfants! Alors ça morse? Elle dit exactement la même chose. Mais je crois que tu l'as refaite récemment, ouais. C'est pour ça que tu t'en souviens. Oh. Moi je dis, je m'en vais. Ah, voilà. Tu m'as fait peur, ça va pas nous prendre de par surprise les gens comme ça. Regarde un peu ça, mes belles peluches de morse des sables sont éparpillées aux quatre vents. Bon, que ça te plaise ou non, tu vas encore m'aider. Ah, donc elle se souvient. Ouais, ouais. Remets toutes les peluches dans le chariot et je te paierai. Et bien sûr, je prends un dépôt de 20 rubis. Bon, allez, on l'aide parce qu'on est sympa. Allez, donc, Madame Ridehead, là. Petite peluche, allez, c'est parti. On peut peut-être que comme ça, avant enfin aller à l'école. Hein. Allez. La fille, elle s'est perdue de fou là quand même, hein, parce que bon. Bah techniquement, elle vient de l'ouest. Non, j'ai oublié de compter. On est 6 là. On en a avoir. Il y en a d'autres. J'avoue que... Il est censé y en avoir 10, donc... Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Parce que là, je veux les monter, mais... Je ne vois rien. On a peu de temps. Bah, ok, Link. Je vois absolument ce que je fais. Donc, ne vous cassez pas, s'il vous plaît. Heureusement qu'il ne pleut pas, mais il pleut bientôt. Ah bah, elles sont là. Ok, elles sont là. Très bien. Bon, ça va bientôt, bon. Tranquille, t'as le temps. On sait jamais, hein. Ramène ça avec des planches. Voilà, cheval, regarde, des planches en plus, ça fait plaisir quand même. Vous vous rendez compte, madame, que vous demandez de ramasser 10 peluches en 3 minutes? Heureusement qu'on est Link avec les pouvoirs, parce que je sais pas comment vous faites sinon, autrement. Hein, parce que, ouais, non, mais 3 minutes, ramasse-moi ça, là, vite. Elle est où? Elle est là-bas. Oh, il a pas peur. Ah oui, cheval. Non, lui c'est un cheval. Il est vraiment trop fort. Attends, il manque une là? Non, je crois que c'est le truc qui. Wow.
Il veut aller dedans précisément. Mais non. Bon, bah, on va vite se dépêcher parce que sinon... Ah oui, c'est bon. Ça vient de se casser. Oui. Elles ont l'air de se casser automatiquement dès que tu les mets dans le chariot, en fait. Ouais, elle est en train de tomber, mais bon. Si, c'est bon. On dit pas que tu t'as tout ramassé. Non, mais elle a fait exprès pour qu'on rate, en fait, je pense. Bah oui. Hey. Je pense que son plan, c'est... de gagner de l'argent. Voilà. Tu as fait du bon boulot, dis donc. Rapporter tout ça en si peu de temps, ce n'est pas à portée du premier venu. C'est même normalement impossible. Très bien, voilà ta paie et je te rends ton dépôt. Eh ben, dis donc. Je suis en train de m'entraîner pour avoir une bonne... je suis occupée, là. Sois gentil, laisse-moi tranquille. Bon, nous cherchions une caverne, nous, à la base. Mais si ça brillait par là, est-ce que du coup je suis descendue trop bas? Non, c'est plus bas. Donc ce serait vers l'eau? Ouais, c'est ce que je me disais. Carrément. Alors... c'est une petite caverne. Caverne de trucs, ok. Ouais. Wow. Alors, il est là, Illusis. Bah, du coup, il y a quoi au fond? Bah, peut-être un sanctuaire. Parce que là, je me dis qu'il devrait y avoir un sanctuaire dans le coin. Je vais me mettre sur détecteur, parce qu'a priori, on a fait toutes les cavernes. Ah, il y en a bien un. Oh, Inox. Waouh, on est en train de sortir. Est-ce qu'on va remonter? Ah ouais, trop bien. Oh. Bon, quand même que je trouve la caverne avant, mais le sanctuaire. Bah, il a l'air de pas être là en fait. Bah, je sais pas, là, il est détecté. Ah non. Aïe. Ouais, mais je pense qu'il est au-dessus de la caverne. Enfin, au-dessus, en dehors de la caverne, je veux dire. Oh, il serait pas dans la caverne. Donc je vais faire comme ça. On va prendre de la hauteur pour mieux voir. Ah mais il est là. Ok, d'accord. Ah, je pensais qu'il serait plus haut, mais non, d'accord. Alors, allons visiter ces petites îles qui ont l'air très étranges. Il y a très certainement des korogus, du coup, mais... oui, si ça se trouve, il n'y a rien. Ah oui, non, je suis pas du bon côté. Ah oui, carrément. Bon, j'avoue que je sais pas si je vais les faire aujourd'hui, du coup. Plutôt les garder pour une autre fois. Ah, vas-y, marque-le quand même. Politesse, on va dire. Comme ça, après, on se demandera pourquoi il y a des bateaux avec des feuilles. Je me demandais juste s'il y avait un personnage ici dans le coin qui nous donnerait une quête ou quelque chose, en fait. Ne t'inquiète pas, sanctuaire, nous arrivons. Je suis sûr qu'on a fait la même chose en Breath of the Wild, on s'est baladé ici, il n'y avait rien, mais... bon, après, on n'a pas fait tout le courroux de Breath of the Wild non plus, donc... Donc pas impossible qu'il nous en manque. Bah, c'est même sûr. Oui, bon, pas impossible qu'on en ait manqué ici, voilà, plutôt, voilà. Ah, pas impossible qu'il nous manque des Korogul en Breath of the Wild. Ah, Tingle a changé, il est devenu un... on s'est arrêté. Un mage rouge. Non, mais non, mais on est formel, il y a que 120 Korogul dans Breath of the Wild. Bah, c'est on n'en a pas trouvé plus, donc, a priori. Ok, bah, je crois que je suis... ah non, je suis pas arrivé au bout. Ouais, mais j'avoue, il n'y a rien, là. C'est... ah oui, c'est le truc en spirale, là-bas. Là. Il y avait un sanctuaire avant.
Ah, donc il y a quand même une Ah, ouverture. mais oui, c'est important d'y aller en fait. Bah, ce sera cool pour les profondeurs, quoi. Bah parce qu'en fait c'est obligatoire en fait, il n'y a rien d'autre en fait. Enfin, ici Oui, c'est... parce que c'est... Mais en fait, techniquement, ça ira même peut-être que sur Oui, c'est... Ah celui-là. ouais, en fait j'avoue. Parce que là... À moins qu'il y en ait un sur chaque île. Non, peut-être que... Ouais, bah non. Peut-être qu'on verra. Ça sera dans la partie spéciale profondeur. Bah surtout qu'en plus, t'as vu comme c'est tout petit. C'est Je clair. l'ai même pas le nom. On remarque que vu qu'on ira forcément, y a peut-être pas besoin de le nommer. L'abîme de l'île Tiglène. J'avoue que je sais pas si on a la tenue entière. Non, on l'a pas. Non, je vois pas. Mais c'est comme c'est des trésors de lambda. Pourquoi j'ai glissé? En plus, elle sert à rien cette tenue, je crois. Bah, elle sert à nager plus vite. Ah, la tenue Tingle! Oui. Oui, Non, t'inquiète, je n'oserais pas insulter le Comment cadeau de Vifa. oses-tu dire que la tenue Zora ne sert à rien? Ah, du coup, je voulais dire, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'en dessous, il y ait la finale de la tenue Tingle, mais... J'avoue. Mais je crois que Mais... c'est même pas le chapeau qui nous manque. Hein. Je Bon, sais tous les plus. coups je vais dire ça et tous les coups il nous manque que le chapeau et... Bon, le sanctuaire, le sanctuaire! Allez, ça c'est pas un sanctuaire de bénédiction, ça. Je me dis c'est un vrai sanctuaire avec le style et compagnie là. La forme, ça va être bien. Tu vas réfléchir. Quoique, petit sanctuaire de combat, là, ça fait longtemps aussi. Peut-être une bénédiction pour être arrivé jusqu'ici, Non mais hein, ils ont tu pas sais. intérêt. Non mais ils ont pas intérêt. Hein. Ils ont pas intérêt. Ils ont pas intérêt. Ils peuvent pas. C'est pas possible. Tu peux pas mettre une bénédiction ici. C'est interdit. C'est écrit. Là, je vois noir sur blanc. Là, je feuillette mon livre de loi des chats. C'est écrit que Ça c'est va, un. c'est pas une Tu vois, bénédiction. c'est interdit. Tu peux Retour pas. arrière. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oh. Oh, sacré ressort. Ouf. Ah. Ok. Et du coup, tu peux faire rebondir avec le ressort. Bah. Ah oui, ok. Ah ouais, ok. Oui, ça, ok, d'accord. Ah oui, C'est ça parti. rebondit bien, dis donc, hein, genre. Est-ce que là je suis bien? Ok, Ouf, c'est ouf, bon. c'était C'était juste. juste, hein? C'était Quoi, c'est juste. déjà fini? Mes droits. Non, c'est pas fini là. Fini. Ah, mais faut y aller après, en fait. Évidemment. Ah non, c'est bon, J'ai j'allais eu peur de me faire écraser, hein. Attends, mais ça continue derrière, je crois. Ok, non. Attends, mais. Attends, mais oui, non. On va prendre. Mais non, mais attends, mais oui, mais le sanctuaire est beaucoup trop simple là. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, on. Enfin, pas simple, je veux dire, trop rapide, voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'on soit simple, ça va, c'est sympa, ça. Et non, mais c'était un sanctuaire, on a bien réfléchi. Bon, après, c'est vrai que, bon, quand t'as la solution, la plupart des sanctuaires, ils sont extrêmement rapides. Oh, bah non, mais oui, non, mais c'est pour ça, il faut y retourner, là. Pas même Mineru, elle revient. Oh non, pas Que la vos pluie. écailles restent humides. Que vos écailles restent humides. Mais Ah, en il tant est que long le chat... chemin de la corniche quand même. Ouais, en tant que chat, elle aime pas, tu vois. Bon, on peut Bon. descendre. Je peux mettre mon détecteur, évidemment, mais est-ce qu'il est là-dedans? Ok, la voile qui sort pas. Puis ah... Adieu. Non mais c'est ça qui est dur. Ah, il est là-haut. Ok. Bon, pas si compliqué que ça finalement. Ah mince. Un petit peu quand même. Et là, on est bloqué à tout jamais. Oui. Ah mais non, bah non. Bah non. Ah, bah Bah non. non. Bah non. Bien sûr que non. Ah non. Quand même. Est-ce qu'on peut aller là? Pfff.
Ah bah bravo. Oh, ça va pas assez haut. C'est peut-être parce que j'ai perdu de l'élan. Non. Mais pourquoi vous me jetez comme ça là en boucle? Attends, mais oui, j'avoue. Attends, mais pourquoi le truc qu'est-ce qui se passe? On dit à l'infini là. Ah, mais c'est parce que c'est les précédents time stop en fait. Et puis ils te remettent là, genre. Ah, pas sur la plateforme. Est-ce que... Ah, ouais, non, j'allais dire. Wouh! Ah, bah ouais, je peux peut-être rebondir sur une boule en fait. Oh mince, j'essaye d'utiliser mon fidèle compagnon Babil. Aïe aïe aïe. Après, peut-être que si la boule était un petit peu plus... Ah, je sais pas ce que tu voulais. Mais je voulais dire, tu peux pas faire infiltration tout simplement dans le truc? Ah là! C'est vrai que bon... Finalement... Pourquoi s'embêter quand on peut tout simplement faire ça? Voilà, tu vois, on s'est bien creusé les méninges pour... Pour ramasser... Oh, des Ok. Voilà qui fait plaisir. Par contre, ce sanctuaire, il est trop mal placé, donc même si j'en sors, je sais même pas ce que je fais. J'avoue. Il y a un sanctuaire qui est placé en fait, à... En tu peux peut-être passer par le ciel, après. Ah oui. Parce que là, du coup, il y a ça. On s'était dit qu'on dépasserait pas le chemin. Mais bon. Mais pour un sanctuaire, on ne dit pas non, c'est ça. Oh, on est giga loin. Ah oui, d'accord. Et l'autre truc qu'on a complètement oublié de faire, c'est visiter cet endroit. Donc, voilà. Ouais, j'avoue, j'espère qu'on a encore des trucs pour manger. De la vitalité. Bah, il y a machin qui nous en a donné. Genre... Ouais, c'est vrai, hein. Genre ça. En plus, on a plus de place, là. C'était rien du tout, en fait. Ok, on aurait dit une porte et tout. Mais ouais, c'est ça, incroyable. Je me suis dit, oh, il y a une entrée encore. Une autre caverne, finalement. Mais pas du tout. Cruelle désillusion. Ah, regarde, la montagne de la mort qui me tend les bras. Bon. La passe de Gaibora, Kaipora. Sidon. Loin. C'est une autre cascade, ça? Non, je pense pas. Ah, c'est le temple du poisson. Enfin, c'est l'île du poisson. Oui, parce qu'à la base, on était censé passer par là. Oui. Ah, Minero, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Ah non, mais... Non, mais des fois, elle est gentille, mais des fois... Un vrai chat, donc, hein. Elle m'a fait trop peur là, elle m'a attrapé sur son dos. Je m'y attendais pas. Là, elle est partie se laver. Oui. Non, mais c'est bien de faire la route à pied. On peut croiser des linelles qui cassent les trucs. Oui. Des golems qui se sont écrasés sur Hyrule. Ou des structures... C'est vrai que bon, finalement... Non, ben non, j'allais dire finalement... Ouais, mais d'un côté, parfois, ça arrive. Des Korogu qui cherchent leur ami aussi. Ah, ah bah est... tiens, tu vois, Linel, t'as qu'un... Petit machin... En fait, il y a un Linel à chaque fois à côté d'un Korogu qui cherche son ami. Oh, il est giga loin, ton ami. Je ferai ça un autre ouais, jour. Ouais, j'avoue, hein. Que là, j'avoue que là, non. Non, non, non. Mais il fallait venir d'Akala pour lui mener... Pourquoi? Tiens, tant de méchanceté? Tiens, tu auras une feuille et puis on se reverra dans 3 mois. On s'entend. Waouh. Ah, oh, un voyageur. Un guerrier. Oh, il fait la technique. Et voilà, tu n'as plus de lame. Oh, des renforts. L'adversaire n'est pas redoutable, mais j'accepte ton aide avec plaisir. Il a l'air incroyable, ce monsieur. Cette maîtrise du combat, je suis époustouflé. C'est très très éducatif. On dirait Terry. J'avoue un peu. C'est peut-être le destin qui a voulu que nous combattions côte à côte. Tiens, prends ceci, c'est pour te remercier. Merci. Bon, j'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un chasseur de monstres et j'ai ma petite réputation. Ah, trop bien. Alors, si tu veux, ça t'intéresse, derrière il y a Linel. Je passe mes journées à parcourir Hyrule à la poursuite de toutes sortes de proies. Là,
Pour le compte d'un certain Coltin, je cherche un Elusis, une mystérieuse créature qui vivrait dans les grottes. Quoi ? Il a donné sa quête à tout le monde ! On m'a dit qu'il devait y avoir une grotte dans laquelle se cache un Elusis, pas loin d'ici. Mais je n'arrive pas à la trouver. Ouais, bon, ouais, ouais, ouais. Très intéressant. Attends, c'est quoi là, t'as comme détecteur ? Ah non, t'as le détecteur sanctuaire. Oui. Je me disais, bah, y a vraiment effectivement un Elusis dans le coin. Oh, les monstres. Mais du coup, ça a changé, ça veut dire qu'il y en avait un autre ? Ah, ça vient de dire que ça a changé ? Bah, ça a dit que ça avait changé. Donc. Ah, bah attends, déjà, on va faire lui. Celui qui... Insulte. Qui introduit Rordrak. Ah, Ordrak. Oui, pardon, Ordin, Ordrak. Roru, Rordrak. Non, je rigole. Faror, Rordrak. Lassi Taki Yuaka. Ah, bah là, on est dans les hauteurs d'Aka, là, quand même. Ah mince. Finalement. Oui, du coup, c'est pour ça. Ouais, ah, c'est Torlivite. Après, je peux l'activer et je pars, hein, tu sais, on connaît, on c'est fait souvent vous, ça. C'est pas vous, hein. On va voir, effectivement, parce qu'il y avait l'air de... Enfin, comme je te dis, c'est, ça avait été écrit... Oui, il semble changement d'objectif. J'y retourne, j'y retourne. Oh là là, regardez-moi ce groupe de Broly, là, qui court partout. Et leur chat. Oui, c'est la mascotte. T'étais vers où là quand ça avait clignoté? Bah, j'étais derrière le chemin, j'étais vers un monsieur. Chasseur de monstres. Ah, voilà. Donc il serait sur le chemin aussi. Mais si ça se trouve, il est hors limite. Et là, nous sommes à Akala. Ouais, ouais. C'est mais, du spoil. Mais on est toujours dans la zone. Et là, là tu vois, il y a un. Ah, c'est lui? Non, j'espère pas. Non, c'est pas lui. Si? Si c'est lui, c'est super loin. Attends, mais pourquoi on détecte lui alors que l'autre, il était juste à côté? Non. Ah! En dessous de nous! Ah bah c'est la fameuse... Oh, là, un kangourou. Ouais. La fameuse caverne, on l'avait vue? Elle était pas notée, celle-là. Non, 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 la fameuse caverne que le gars parlait. Dont le gars ah. parlait. Ah! Alors, qui veut tirer le bouchon? Ah, il y en a... Bah oui, c'est normal. Bouchon! Oh, 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 oh. Attendez. Un classique, celui-là. Ah, hop, j'ai ah oui, d'armes. Tu viens de casser ton arme. Non. Non, casse non, pas non, cette non, arme. Non, non. Enfin, en théorie, j'ai envie de te dire que techniquement, tu peux la casser. C'est pas grave. Parce que c'est une arme amiibo. Ah, j'imagine oui. qu'on va vraiment la trouver pour de vrai à un moment. Bon, du coup, je suis hors limite ou je suis... Ah, c'est compliqué parce que... Si c'est dans si, la cascade... S'il est dans une caverne... Et oui, mais d'un côté, on n'a pas croisé de caverne, en fait. Ah, il s'est en dessous de moi, donc il faut que je... Mais si... Ah, dans la cascade. Mais si c'est dans la cascade. Mais c'est une grotte qui n'est pas notée par... Par notre ami Satori. Ah, ça va être bien de passer à travers. Ah, ah bah, il fallait s'afficher, sanctuaire de Jotiniga. Par contre, si tu me dis mon cristal il est à Akala... Ouais, mais c'est pas grave, tu peux quand même le prendre, ça fait un point de TP. C'est vrai. Mais il va être à Akala, c'est sûr. Là. Bah là, on est à Akala. On est hors limite. C'est interdit. Non, regarde, je suis là-bas. Oui, oui bah. Donc à Akala. Ok. Allez, en avant dans l'aventure, dans le ciel. Dans l'aventure. Dans l'aventure. Bah. Oh, j'imagine que c'est cette île en bas. Si ça se trouve, il n'y a rien. Ouais, j'avoue, c'est possible. Hein. C'est vrai que c'est une petite île. Mais d'un côté, j'ai l'impression qu'il nous manque un vœu de sage. Mais je crois qu'il nous manque. Voilà. Ouais, il nous en manque un. Si ce n'est pas deux. Alors... Et un coffre. Ouais, je pense que c'est pas un... C'est une ouais. vieille carte. C'est une vieille carte, quand même, ok. Pour un truc qu'on a déjà eu. Non. Mais c'est, ah l'endroit, de, c'est l'endroit de lave.
C'est pas là où on s'était disputé qu'il y avait un coffre et tout, si, si. Et que du coup, la réponse c'est oui mais non, et en fait, c'est juste un coffre nul, ou alors il y en avait un autre. Du coup, ça peut pas être un coffre nul, du coup, sinon il serait pas noté. On se trouve, on s'est disputé pour un coffre ici, mais en fait, il y avait... Ouais. Bon, bah, finalement, il y a bien un coffre là. Bon. On me fait penser qu'il faut qu'on aille voir machin ici pour lui montrer les Stalinox. Je crois que c'est l'or. Je crois, ouais. Bref, bon, bah voilà. Le débat de du coffre de lave a une fin. Finalement. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci à tous d'avoir regardé cet épisode spécial Les derniers pas dans le domaine Zora. C'était encore l'année, je crois. Ouais, normalement, c'est l'année. Donc, prochain épisode, on va dans les souterrains. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite. Salut tout le monde.